Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir pour tous les fanatiques, auditeurs, auditrices qui branchent par l'Haïti. Nous retournons avec une autre émission. Alors, émission ça, nous porter quelques informations et quelques bons dossiers. Gagné militant Prince, le grand, et bien, monsieur intégré BESAP. Monsieur fait une grosse déclaration, dans le moment présentation, li, et apparition spectaculaire, les jeunes garçons ça, côté en pile, monde fait connaître, il était mort. Et bien, jeune ça, lui-même, il prend formation pour l'entrée dans BESAP. Eh bien, monsieur, si on a membre BESAP, nous pouvons parler là. Et monsieur, ça fait une grosse déclaration. Nous connaissons un ex qui pas de jambes liées qui sont l'Occident. Eh bien, imaginons qu'on y a là. Et les grands, lui-même, ils sont membres dans BESAP. À nous, BESAP, qu'on y a un membre, un garçon, venant là-dedans. Eh bien, bon, fait nous faire des déclarations. Les grands, mesdames, messieurs, qui disent lui-même, ils sont un membre qui intègre BESAP. Nous pouvons parler là. Grosse déclaration. Et BESAP campé raide. Par rapport avec force multinationale. N'a pas connu plus de détails à aller. Était branché. Et demandez peuple à accompagner la bataille ça. Diaspora, je pas commencer à faire. Pour tout agent ça touche normalement. Parce que nous parlons de gang, nous parlons de vol, nous parlons de kidnapping. L'État doit nous. Trop cop gaspillé. Nous touillé, nous détruit. Trop cop gaspillé. Nous supposons que le salaire. Petit 4. Même chose, tout l'autre n'est que jeune. Poli tout, poli front. Police crème, toute la jeune BLTS, comme ça. C'est ça, c'est pour ça nous là. Moi fier, malgré blanc envie sauter dans les yeux nous. Mais moi fier parce que les m'a rappelé ça de sa lignée. M'a rappelé ça qui mieux, qui situé stratégique. M'a gardé dans le 21e siècle. M'a pas qu'à bel côté de Dubaï. M'a pas qu'à outre national. Ça dérange parce que les États-Unis pas qu'à respecter m'aider la liberté peut m'aider dans la grande guerre de Washington. Moi j'étais fier malgré tout. Pas parce qu'elle n'existait, parce qu'elle m'est située stratégiquement au monde. Dieu, le grand Dieu qui pas résumé nos feuilles de papier. Dieu ça qui fait peuple chinois, qui fait peuple russe, qui fait peuple américain, qui fait peuple africain, qui bat tout grand peuple potentiel ça, même potentiel ça Libanou, même 24 heures ça Libanou. Pour nous mettre dans nos situations, nous pas qu'à fêter, nous pas qu'à vivre bien. Nous fiers ces Haïtiens malgré tout, parce que mourir pour Haïti, son bagage sacré. 18 mai pour moi, comme Haïtien, c'est promouvoir l'agriculture, c'est repromouvoir le projet comme nous encore. Et ça fait BESAP encore qui spécialise pour lui protéger l'environnement. Et dans la bataille, nous avons plusieurs coordinations parce que nous n'avons pas dit tout le bagage aujourd'hui. Avec un pile frère haïtien qui est au niveau de la diaspora, qui voulait promouvoir l'agriculture et penser et après agricole, ok? Il pourra le protéger pour nous capables de planter davantage, pour nous gagner indépendance. Vente nous, si nous parlons comme ça en bon créole. Parce que ça, c'est un pilier que nous n'avons pas. Qui fait que nous insultons souvent. Parce que pour grand goût, pas de nécessité. Le peuple vient là en simple organisation. L'autre nation vient là en simple organisation. Et puis, ils ont tout privé au droit de vivre. Ils ont tout privé. Et puis, ils font une sorte de manipulation. Ils mettent nos sommets éternels. Et puis, pour exploiter. Et puis, pour faire qu'on n'a pas richesse. Richesse pas rien. Si tu as une richesse, et X pas gagné à là. Aucun grand puissance pas gagné à là. Mais si aucun grand puissance pas gagné à là, pour qui ça là, tout notre terrain de boxe pour la boumer. 18 mai pour moi comme haïtien. So, fierté a toujours été comme une répétition pour moi parce que Haïti, il possède les terres qui ont produit toutes plantes contre maladie, un pile de plantes contre maladie mortelle, des milliers de plantes contre maladie mortelle qui a fait Artemisia, pour maladie COVID-19 qui a gagné. Ça a pris Artemisia. Haïti possède. Si nous t'élevons levé bon dans le pays, ce n'est pas seulement Madagascar qui t'a présenté. Il y a un pile de médecins traditionnels qui t'ont présenté. Haïti, pour moi, il a produit du riz. Il a produit haricots, vive alimentaire. Comment me fait pas fier? Et puis nous avons cuivre, cobalt, l'or, diamant, tout traité, il n'y a pas qu'à utile nous. Nous n'avons pas qu'à bon pays, même j'en gagne la ville de Washington, même j'en gagne Manhattan, et même avancé que ça. Nous gagnons une terre qui est située au centre du Nouveau Monde, qui est l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud. Bateau salta de fiscal en Haïti, pour Haïti, fait comme. Tout pays qui voulait faire coopération, m'a dit aide, parce que m'a jamais parlé de question aide là, coopération avec Haïti pour le développer dans la réelle réciprocité, toujours bon problème. Ça veut dire que c'est ça qu'on j'aime à l'intérieur. Parce que moi, j'ai toutes conditions réunies, net pour
tout haïtien millionnaire et puis moi haïtien pas qu'un millionnaire, c'est ça qui dérange. Et puis jusqu'à présent moi nous poko prendre conscience toujours nous a regardé monsieur qui en bas qui font guerre stupide comme si monsieur ça pas lion j'aime Haïti du tout et à la jeté des chance li j'aime Haïti et ça fait ça choquer là moi Matissan l'a attaqué Delma les villages il a fait guerre ça yo dérange totalement pendant ce temps limite nous c'est de l'eau. Gosso de République qui crée, si monsieur ça était bien réfléchi, faut que tu attiré abonné sien pour protéger vie, m'pas qu'à faire révolution pendant ce temps peuple privé de liberté. Comme si indépendance pays n'était les ancêtres était bail là, yo tout prend liberté ça yo kembel, yo privatiser pour me passer Matissan, m'gai combien poste pour me payer pour monter nanan, m'gai combien poste pour me payer. Monsieur, t'en nous pas trop loin. M'dis nous ça. N'appelle très cher. Dieu écrit pour nous. Je ne sais pas si créé pour nous. Et pas un bagage qui a insulté le monde trop pour ne pas prendre fin. Nous ne prenons pas le temps de messages. C'est Prince le Grand Révolutionnaire qui a parlé avec nous. Ce n'est pas révolutionnaire dans la bouche, c'est dans la mentalité. Et si je dis que moi, je n'ai pas gagné, le pays m'a libéré. Et soit les États-Unis font choix, ils font coopération gagnant-gagnant avec nous, ou bien nous virer vers le groupe de Shanghai pour faire des coopérations pour Haïti libre. Parce que même gens, Américains viennent l'hypothèse pour détruire nous, ils ont qu'à faire coopération industrielle, usine pour nous faire transnational tout, pour nous faire coopération à bon escient. Pour qui au détriment de nous-mêmes. Quand il y a nous-mêmes qui ont des armes, qui ça nous fait? Nous kidnapper les noirs, même gens avec nous. Nous vivons des plastiques sous lit, nous avons brûlé, nous avons gelé le monde entier, nous avons gâté ça. Qui que nous avons battu, qui a milité? Qui courage nous avons ici? Qui en vivent dans le pays. Combien de monde nous fait courir? Je ne dis pas, dit, oui, blanc, c'est problème pays. Ou un petit politicien qui bosse. Oui, politicien complice. Oui, politicien, c'est auteur intellectuel criminel. Mais politicien, utilisez-vous comme pauvre à sa patte pour détruire le pays. Kounia, ou un c'est politicien. Mais ça, nan nan mon kounia, qui soit favel. Castro va jamais détruire le peuple cubain en tant que révolutionnaire. Castro renverse le régime Batista. Oui, il y a des dommages collatéraux dans toute bataille pour changement. Mais Castro n'a pas de jambes et privatiser le peuple. Il n'a pas de jambes et coloniser une série de liens stratégiques qui occupent par la gangsterisation pour lui faire les multinationales occidentales venir prendre des flux de pétrole. Nous-mêmes, nous avons occupé toute zone stratégique. L'un point village de Dieu passé, aller au terminal Vareux, toute zone cité sur les c'est pétrole. L'être que nous dévastons la population, pour nous dire que l'Amérique n'a pas assez potentiel, on paye grande puissance, c'est vous voulez démasquer nous là, bombarder nous et puis pour venir prendre pétrole. Il y a fait nous dévaster nous. Quitter côté qui est coltan cobalt pour faire nous quitter ça pour ne pas exploiter nous. Des minerais. Vous voyez des fusils dans l'espace qui coûtent des milliers de dollars, qui permettent chaque haïtien millionnaire, chaque jour, ils font une guerre stupide. L'un pas attaquer Delman, attaquer Pétionville, nous dévastons la population, hein? Nous pas chambre de conscience pour nous faire abonition, que détruit le peuple là. C'est ça, Dessalines, t'es quitté. Vous faites une société civile, ça, aux journalistes, monde qui gagne un monde, pas qu'à vivre dans le pays. Hein? Moi, je parle de loyauté, moi, mes patrie, même prêt pour mourir pour patrie. Et ma bataille pour qui ça, pour révolution agricole là, monsieur, ça est ça qui est plus important pour moi là. Présence même dans Bessap, même c'est pour la révolution agricole. D'accord? Quel que soit le monde qui vient camper en face de la bataille, ça va échouer. Parce qu'il y a une agriculture. Gekob! L'agriculture, il y a une façon pour nous défendre. Nous. Parce que la République Dominicaine fait marcher à la vente tout tété! Tout tété! C'est quoi il a fait? Eh bien, nous-mêmes, c'est nous avons essentiellement agricole. Il faut nous exploiter. Il faut que nous planter. Je pense que Bessap là, lui-même, il est là pour lui protéger. Ok, tout le monde qui est dans le système agriculture. Puis, la raison qui fait moyen, c'est pour la révolution agricole. Là. Et puis, pour porter lumière. Et puis, pour faire travail en dans Bessap là. Pour les jeunes filles et jeunes garçons qui ont dévouement et tant qu'ambassadeur. Pour que vous touchez, même gens, toute police, et demandez au peuple d'accompagner dans la bataille. La diaspora, vous pouvez commencer à faire. Pour tout argent Bessap touche normalement. Parce que nous parlons de gang, nous parlons de volant, nous parlons de kidnapping. L'État doit nous. Trop cop gaspillé. Nous touillons, nous détruisons. Trop cop gaspillé. Nous supposons qu'il y a un salaire. Ticat. Même chose, tout l'autre n'est que ni. Poli tout, poli fond, police crème, toute l'autre jeune BLTS. Comme ça. C'est ça, c'est pour ça nous là. Merci, si vous avez une question encore, m'attendez. C'est Prince le Grand, le vrai, qui est là avec nous dans Wanamed. Oui, c'est moi-même. Son plaisir. Son plaisir.
Chef gang Yon-Yon, mesdames, messieurs, chef gang Yon-Yon, Yon-Yon blasé en pile autorité qui est associé dans la base 400 Marozo. Et pour quelqu'un qui est dans la République, oui, base ça, c'est quatre gros têtes qui abdominent en pile causé parler. Gagné plus passé 20 gros bourgeois chabrak qui dans tête base si là. Yon-Yon pas mettre de l'eau dans la bouche pour le raconter par Américain. Yo. Qui est-ce qui chef base ça? Qui est-ce politicien qui est dans tête groupe gang 400 Marozo? Au plus de détails avec Blau. Voici la rue, on a Monsieur Parler, j'ai une douille, Yon Yon. Monsieur Parler, papa, monsieur Parler, cause yo. Eh bien, si m'de fè nous konne Yon Yon, nan premier parler, il te dit Jean-Tolbe Alexis, c'est yon nan m'a groupe gang 4 Marozo. Si monsieur te fè konne tout France LB, c'est yon partenaire, yon associé 4 Marozo. Eh bien, laissez m'fè nous konne. Monsieur ajoute plus bagay toujours. Monsieur ajoute plus bagay toujours. Monsieur ajoute plus non toujours. Dans ensemble nèg qui a été là, nèg ou ta kapren pour bon moun, nèg kapren les têtes de autorité dans le pays, qui finalement te associé dans 400 Marozo. Mba konti nèg sa ou ki san ka di si se Jean-Roubaix Garrel yo, si se gros soulier, comme nèg avec sa patio et 400 Marozo, mba konnen reste nèg sa ou ki non nan va ba yo papa. Eh bien Blau, yo yon fè konnen 400 Marozo, se 4 piliers ki fonde groupe gang sa Blau. 400 Marozo, c'est un chaudier qui te chita sous 4 roches différentes. Yo, on parle de 3 roches, mais on dit 4 roches différentes, sinon qui chita sous un réchaud 4 pieds blau. 400 Marozo, c'était ça, selon Yo-Yo. Eh bien, premier pied, ou sinon premier pilier, premier boule roche, n'importe thème nous voulons utiliser, ya. Li palot que ban sangouin sa yo, ban gang ak sa pat yo, le Yon Yon, le Ronal, le gade nou, le Lama Sanjou, le Gaspillay, lese si, lese la, lese l'autre bon, le Ranstay. Premier pilier, c'est ban ti malandrin sa yo, ki ti nan kwa de bouke pa pre ganye, sinon vole ti paket moun, vole valise moun nan mache ya, vole l'ajan moun nan mache ya, vele moun bral achete, mette e zambo kote yo, pi yo pre l'ajan moun blau. Donc, c'est ti monsieur sa yo ki fè premier pilier richo, 400 Marozo wa blau. Deuxième pilier, eh ben yon yon dil. C'est Yon Yon qui a parlé. C'est pas moi non papa. Yon Yon qui a parlé, Yon Yon qui a plagué dossier à tes papa dans le tribunal États-Unis. Yon Yon fait qu'on ait 30 hommes d'affaires, 30 nègres qui sont dans le secteur privé qui sont dans 400 Marozo. Qui va gagner? Yon Yon parlait de 30 hommes d'affaires. 30 nèg ki nan secteur privé, nèg d'après les bourgeois, nèg d'après les Sirolibanais. Monsieur Dou, gen 30 nan nèg sa yo qui fait partie de 400 Marozo. C'est nèg sa yo qui te commencé à acheter zam pou yo, acheter bal pou yo, c'est nèg sa yo qui te commencé ba yo bon jan matériel, ba yo machine, ba yo bon l'autre bagay pour capable fonctionner. Qui job yo te kon fè pour nèg sa yo, c'est craser concurrence là. Allez di nèg sa yo, moun ki en face yo kòp ki gen business ou senti machin k'ap dégager yo là. Et ben yo yon fò konnen marché tabar, l'autre marché autant de boulet. Eh bien, c'est mission qu'on joue dans mes necks à oui, blau. Oh, là, il y a un produit. Mais bagay la blau. Nèg la gen wagon lo produit la nan dépôt produit pou arrivé pour expirer tout bagay sa yo li gen besoin mete produit sa retire yo nan dépôt el pa pral faire liquidation li meto en faillite et pour ou même aller chercher prêter ou vin tourner acheter nan mel et puis gardez nous parce que t'es tout chaud faut remettre quoi quitter nan mo obligé à le prêter encore pour investir pour si ou t'es capable de vendre et puis pour ka gon activité nan mon toujours et puis moun ou t'es doué déjà pour ka gon activité temps en temps ou ba un petit bagage jusqu'à ce qu'on fin payer yo. Yon yon dou gen 30 hommes d'affaires qui c'est deuxième pilier 400 Marozo.
Mes amis blancs, et qu'on s'a déchargé à malandre Boïsi? Oh oh! Bon, nous toujours chargés avec eux, bon, bon, yo la piraye. Yo la, et qu'on s'a déchargé avec vagabre délinquant, sans arve pas Boïsi, n'est-ce qu'il pas ouais pays? Qu'on y a pour n'est-ce qu'il pas ouais ou pas tendez, y'a investi dans le gang! Yo prend plusieurs millions bagay yo te ka investi dans pays ya bagay yo te capable aider pays ya dans développement pays ya mais yo préférer prendre l'argent ça yo investi dans un paquet de malandrin sans arrêt et puis qu'on y a bay ti malandrin ça ou mission al bouler marché moun bay ti malandrin ça regardez non Intel en face point Intel fait perdre un contrat dans l'état et bien al craser business Intel al bouler business Intel donc c'est comme ça bagay la yé, monsieur. Troisième pilier qui monte 400 maozo, c'est yon qui a parlé. Troisième pilier, li parle que 17 politiciens, yon dit. Dans 17 politiciens, monsieur parle de Gelade, c'est magistrat, dans quoi de bouquet ou teye. Gelade, c'est député qui ou teye. Et monsieur parle de 4 sénateurs. 4 sénateurs. Monsieur Dou, troisième pilier 400 Maozo, c'est 17 politiciens. C'est Nek Sayo qui était là avec 400 Maozo. Les 400 Maozo t'a monté. C'est Nek Sayo qui, comme un politique, c'est Nek Sayo. Si 400 Maozo ont un problème, on est qui dans la prison, on est qui ont l'autre problème, on l'autre bagaille, ils ont même intervenu. Vin libérer Nek là, sous consenti famille, sous consenti ceci, sous consenti cela. Pourtant, c'est parce que les gars n'ont gagné 400 Maozo. Et M. Dou, il y a deux magistrats, quoi des bouquets, il y a quatre sénateurs, et M. parlait de députés, et il y a un député, il était déjà long, mais non, il déjà, c'est Jean Tolbert Alexis. Monsieur, on s'en. Mais il y a eu là. Et puis, Léopard est devant la presse, il a parlé, où t'as dit c'est bon, mon nom? Où t'as dit c'est mon sérieux là? Oh oui, bon, on paye, pas carité comme ça, nous-mêmes, on travaille, on a goûté là pour nous, si on a changé la situation, surtout, et situation si la occupe vulnérable, si la occupe mal, menti, y'a baille. Gang ou kap emmerdou là, gang ou kap déchèpillo là, et yon mette dans la rien en dégoué nous blau. Faut que tu causes ta prelaye. Pa e Paul la di oui. Vérité ou pa ka kache ça non blanc. On met fouye on tout gade même 2 km, même 200 km. On met fouye tout cacher vérité a un jour l'autre la fini pa prendre la rue. Vérité pa gen koto ka kache vérité. On non, pa gen koto ka seigne vérité. Un jour ou l'autre la fini pa prendre la rue, mon a fini pa konnen sorte qu'on a réglé en batabio, sorte qu'on a réglé notre troufè noyau, mon a fini pa konnen sorte qu'on sorti, l'on prend la rue, l'on ceci, l'on cela, mon a fini pa konnen blaw. Logique. Ou pas ka cacher ça. Nèg ki nan gang ki dépense, yo te ka fè tout temps nan gang a financer gang, a appuyer gang, on non yo pense un jour mon pa t'ap konnen bagay comme ça. Blague a bay. A pas jodi a nou commencer a découvrir en pile nan nèg yo. Et ça fait m'a dit peuple là. Li lè li tan pou nou commencer prendre responsabilité nou. Li lè li tan pou nou commencer prendre destin pays sa en main. Nou pa kage tout malandrin sa yo ki la ki fin mete gang nan dégwen nou. Ki tue petit nou, ki viole petit nou, ki tue maman nou, ki tue papa nou. Gang ki empêche nou circuler, gang ki empêche nou à l'école, gang ki empêche nal vaka avec occupation nou. Et qui est-ce qui monte groupe gang sa yo? Qui est-ce qui encadre groupe gang sa yo? Qui est-ce qui alimente groupe gang sa yo? Son paquet politicien qui la nan boule figi nou matin, midi et soir, son paquet nèg ki di yo se bourgeois secteur privé qui la nan boule figi nou kap monte kap descend et puis nou la n'a gardé. Oui, ouais ça yo fait pays. Et pas ouais que ouais mais ça yo fait pays. C'est marcher sous nèg yo, bay nèg yo mon impression. Eh bien, quatrième pilier, M. Dou, c'est policier. M. Dou, il y a 20 policiers qui sont fondateurs 400 Maozo. Et là-dedans, M. parlait de plusieurs commissaires police blancs.
Et bien on l'a dit, monsieur, de gêta cité non déjà, m'de dit nous li déjà, monsieur, d'où, lè ou qu'on a arrêté de 400 marozo, et bien policier sa comme commissaire, depuis, et dans la juridiction, là, yon mette nè yon, là, lè le prenne yon, libéré nè yon. Et monsieur, d'où, commissaire yon, gen parfois, gen attaque, qui comprend le fait sur yon, direction générale la police, là, qu'on a monté plein pour écraser 400 marozo. Commissaire yo, parce que le commissaire yo yo konnen et nan kwa de bouke yo, donc faut qu'il informe yo de opération qui pral fait dans juridiction pa yo. Et ben c'est même commissaire sa yo qui relè nan yo qui dit konsa passé si nous kalage nou bien nous lagé bien nous, y a privé sous nous blaou. C'est même commissaire sa yo. A vle dit c'est rat kay k'a manger pay kay. A vle dit la police là, opération monté dans direction générale là. Regardez non, commissaire qui est arrivé, yon yon a gen la, opposé, regardez, nan direction générale la police la, n'a gen monte opération la, regardez, opération, la bien 60 policiers, n'a gen vini nan 4 blindés, n'a gen attaqué nous par le nord, regardez non, syndicat la gipye nous, pendant ma parole avec nous, la gipye nous, kite, on 5-7 gren soldats, pou le n'a gen vini yon kakrasé tête 5-7 soldats, yon di yon by résultat, mais, ou on est ou même Ronald Gaspia il en mort sans joute malandre ça yo chapé pour nous monsieur et garder pour nous raconter nous déca réfugier nous l'autre côté et puis les bagarres la fin frère m'a fait nous connait n'a retourner dans base monsieur Dou il y a plusieurs commissaires qui servent yo de tout en dans la bourse et c'est même yon ça qui dou là où les soldats ont tombé. Ou la police prend zam nan, la police prend zam nan pour un présenter la presse, pour deux le voye zam nan baron. Ou dans le samedi là? La police a écrasé 400 marozo, gen 10 nèg qui tombe, yon prend 10 manches long, yon présente le bay la presse. Gale non, nous prenons 10 manches long pour nèg yo, gen 10 cadavres qui te rete à terre, c'est si c'est là, c'est l'autre bon. Et puis, yon, et gade non, kote mne voye zam nan pour hein, ou avouye tel vin pren, et va gen problème. Yo remet li dispatch long ni papa. Mena ki pe inouye yu blaou. Mena situation na bi yu blaou. Et ceci dit, ça fait des années, oui. Ouais, nèg a opéré comme ça avec 400 marozo. Eh bien, yon nan commissaire police, monsieur, te parle yo. Il reparle yon kon, yon France LB. France LB. France LB. Dossier chaud. C'est yon qui a parlé, pas moi qui a parlé moi-même. Moi-même, t'es là avec les gens. Je me connais moi-même. C'est yon qui a dit, mais qui nègre, mais qui politicien. Mais, et yon politicien, yon magistrat. Son magistrat nous connaît très bien, oui. Et monsieur Dou, magistrat ça étant qu'on associe le avec yon, parce que magistrat ça te gen propre goût gri en dans la plaine baba. Et magistrat, c'est parce que le pape goût. Magistrat pas vle, nèg yo rentre nan guerre avec et groupe gang pa la pour que son territoire. C'est peut-être ça, magistrat te kon toujours paye nèg yo chaque mois blaou. Pile l'argent privé jwenn nèg yo papa. Ki magistrat konnen blaou? Malwa sou intelligent. Dernier magistrat élu Kwa de Boukea. Qui est-ce lié? Mba sonje non, a on Nicolas. Ah, mon grand ti moun yo, pa pa jwenn bagay kon sa mon cher. On nèg dan mafia yo. Monsieur Dou et monsieur k'ap pale. Roni kole gen propre groupe gang pal nan la plaine nan. Et lo gade bien vrai blaou, monsieur a fait championnat, gen deux groupes gang, gen deux chefs gang que la police di ap chèche ki kon identité rè monsieur k'ap suiv spectacle comme si bah non normal c'est Bobanel Timoun li la voix qui grandit li la voix là qui gè groupe gang pal avec chien méchant mais c'est monsieur mais Bobanel selon yoyon c'est Ou Nicolas qui finance Bobanel. Voilà qu'on va toujours continuer avec dossier gagné dirigeant symbolique haïtien mais c'est dénoncé yon ensemble gros dirigeant gauche à braque. Eh bien, qui prend l'argent qui débloqué pour moun qui n'a abri provisoire. Eh bien, dans le cadre d'une conférence, l'été bail, eh bien, pour le dire,
faut que l'argent ça remette avec moun sa qui est en nécessité. Donc on est nous-mêmes qui payons taxes, $50, eh bien, ils prennent l'argent, nous, ils font affaire par eux. Eh bien, moun qui vraiment en besoin, ils ne pas joindre l'argent ça. Eh bien, il y a médecin Pierre qui parle de cette situation ça pour le faire qu'on est quantité l'argent. Quantité l'argent, avec ça, même ils prennent, ils font affaire par eux. On allez. Si on a parce que ici, c'est une hypocrisie. Ils ne peuvent pas jamais les mettre ensemble pour qu'on ait que nous avons pays pour nous sauver. Pour comprendre que le conseil de camp d'hébergement, il y a des gens 12 ans qui ont pensé là-dedans. Nous avons un camp d'hébergement qui est des gens qui sont et l'hôpital Sanatorium, qui ont dormi même côté avec des gens ingames. Ils ont refusé de comprendre que les gens ont besoin de manger, les gens ont besoin de sortir. Puis quand on a nous gagné, c'est parce que nous ensemble de dirigeants qui ont fait propre sur le camp d'hébergement pendant que nous avons des problèmes déjà. Nous n'avons pas sorti. Quand vous faites, vous avez un problème comme ça. Vous sortez canapé vert, vous sortez quoi les bouquets, vous sortez mon atuif, vous sortez tout côté en bas. Ceci n'empêche que le conseil tranche l'argent qui a débloqué pour le monde que on sait le dirigeant à Kébé. Ça, je pense que c'en est trop. ONG, il y a trop de misère à passer. Comme qui vient pour tranche l'argent, premier tranche nous qui prenne nous fait gagot là déjà. Faut que deuxième tranche aux jeunes. Faut que deuxième tranche aux jeunes. Et ceci, mais ça ne va pas dire, Américain, je ne parle pas nécessairement avec les États-Unis d'Amérique. Après, le Parlement toujours, et on tient toujours indexé les États-Unis d'Amérique. Pourquoi ça nous indexé les États-Unis d'Amérique? Parce que les États-Unis, la majorité des âmes qui sont dans le pays là, c'est les États-Unis aujourd'hui. Et il n'y a pas la diaspora aujourd'hui, pour nous dire. T'en prie, suspend vos examens dans le pays. Nous avons un pays à faire. Nous avons un paquet de jeunes Simon qui va besoin de Biden. Nous avons un petit Simon qui va au Mexique. Nous avons un petit Simon qui va au Brésil. Ils veulent être dans le pays. Investir plutôt dans l'agriculture pays. Parce que le pays a un terre, nous avons un terre tout côté café manger net. Pas investir vos examens dans le pays. Zam nan se, et nous-mêmes encore la détruit. Donc, n'a dit Américain, tant pis, veillez pour yo pour nous, parce que trop zam entre dans le pays. Maintenant, jour après ce qui arrive, nous te disons déjà, nous allons commencer à voir le matériel, ceci n'empêche que nous besoin de support. Il faut que tu retournes à l'école, il faut que tout le monde retourne à la caillou, mon cafou fait besoin de tourner, mon la plein besoin de la caillou, bon repos, quoi des bouquets, la tremblée, lison. Nous avons besoin de tout le monde. Car fou, faut qu'on m'a dit. Belé, Gressier. Bah, la trop, monsieur. On ne faut ramper. Parlement prêt et nous continuons à avancer avec elle. Faut qu'on gouvernement qui est installé rapidement. Sinon, fonds ne peut pas débloquer pour faire le travail qui est supposé faire. Que monsieur, conseil présidentiel, le mette ensemble. Puis, dans quelle mesure, il y a une solution au pays. Ce n'est pas avec tête seulement. Fouy Jean, pas avec tête seulement. Gilles, pas avec tête seulement. Ainsi de suite. Tout le monde en garde comme un café ensemble pour nous retirer le pays dans ce salier là. Nous revenons dans le dernier trou. Ça, c'est la fin des faits. Merci en plus. Puisque c'est ça qui kembe gouvernement. Nous même nous avons un conseil, quelque chose à conseil qui est supposé venir. Et c'est sûr que le conseil de Premier ministre et nous avons là dans le tour qui côtoie le Parlement, n'a suivi CV. Le Parlement symbolique de la République d'Haïti a rappelé les États-Unis. Québec haïtien fatigué, libouqué. Nous constatons comment conseiller perdit tout bon sens. Yo. Et vous pas même songé unité. Vous avez gagné dans le temps. Vous avez pris l'indépendance dans un moment qui était très difficile. Conseil présidentiel de la transition prouvait le monde entier à clair. Il faut qu'il y ait un Sibérien qui peut diriger. Parlement symbolique d'Haïti,
relé Amré. Les li constater comment conseil présidentiel de réunion hein? Pas même sensible pour peuple là cap mouri gagnon couché petite fille nous petite garçon nous papa nous gagnon même arrivé coucher maman nous gagnon boule caille nous Amérique, peuple a pas mangé pour li pa bay la pire. La vie peut pas ici, non mais on, Amérique, yon l'autre bon, parlement symbolique, République d'Haïti, a supporté énergiquement tout conseil présidentiel transition qui décide prioriser des idées à ta peuple là. Tant coup, sécurité, tout côté. Dans le pays. Manger pour tout le monde. Saine santé pour tout haïtien. L'école pour tout le monde. Amen. 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 L'hôpital Ofatman dans le département nord-ouest pays, si on a plus bon goût l'hôpital qui gagne, et bien l'hôpital ça, côté président Jovenel Moïse, pas de chance pour inaugurer, mais c'est grâce avec président Jovenel qui fait l'hôpital ça capable là pour bailler mon service. Gagne docteur Marie Caroline, et bien qui sortit dans silence pour bailler détail comment l'hôpital ça va fonctionner, et bien quantité monde qui capable qui va bénéficier et service l'hôpital là, combien docteur l'hôpital ça gagne. Et bien, pour les gens qui tapent de nous détails, et bien, nous pouvons faire vidéo pour qu'on plus de détails par rapport avec l'hôpital général Ofatma qui est dans le département nord-ouest pays. Matin, nous allons parler ensemble avec Dr. Marie Caroline Léandre Télus, notre directrice générale du bureau régional Ofatma dans le département nord-ouest qui allons parler avec nous sur l'ouverture officielle de l'hôpital Ofatma dans le port de paix qui fête le 13 mai. Ouais, c'était lundi 13 mai 2024. Madame Léandre, bonjour, son plaisir pour nous accueillir sur le panel Magique matin. Oui, bonjour. Bonjour Magique 9. Bonjour à tout le monde qui branche radio à matin. Oui, son plaisir, Madame Léandre, pour nous accueillir sur le panel Magique matin, pour nous aborder le sujet ça. Ofatma, l'hôpital Ofatma Port du Péa, qui enfin ouvri. On rappelle que travail était commencé en 2019 et firme taïwanaise était remettre travail en février 2000. Alors, elle était remettre clé. Il y a ou bien été annoncé que travail a achevé depuis février 2023. Expliquez-nous, Madame Léandre, pour qui ça, l'hôpital là, a officiellement ouvri, on dit presque un an après achèvement de travail. Bon, non, tant que Marie-Caroline Léandre Télus-Nord, moi, c'est médecin, directrice départementale pour Fatma Nord-Ouest. Alors, Ofatma lui-même, c'est Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité. C'est un organisme autonome de sécurité sociale qui est créé par la loi organique du 28 août 1967. Et il a comme mission pour assurer la gestion des programmes d'assurance accident du travail, maladie et maternité et organiser structure pour fournir des services de santé de qualité pour assurer la population en général. Bon, normalement, j'ai dit là, et au Fatma lui-même, la construction a commencé depuis 2019, et juillet 2022, nous avons fait la fin de construction. C'est un don de Taïwan au gouvernement haïtien sous la présidence du président Jovenel Moïse, de regretter mémoire, et du l'ancien directeur général, Dr. Agabus Joseph. Alors,
l'hôpital là lui-même licencié ouvrir là le 13 mai 2024. J'en dis là après en tant que remise qui était déjà faite. C'est cause des difficultés nous connaît qui gagne dans pays là. Alors gagner matériel et équipement parce que l'hôpital pas seulement un bâtiment. Faut qu'on gagne matériel et équipement pour rendre l'hôpital fonctionnel. Et l'hôpital là lui-même après que on était fini recevoir que l'hôpital là en 2022 tout restant c'était garder comment des stratégies pour être capable de faire matériel équipement ça rentrer sur le département nord-ouest là vu configuration géographique et nord-ouest situé dans cette carte géographique là là nous censés utiliser des stratégies nous faire matériel rentrer par bateau pour être commencer équiper l'hôpital là. Ça prend du temps. Des conteneurs qui sortent à l'étranger, qui viennent avec matériel et équipement, ils prennent temps pour dédouaner. Sans de dédouanement, ça prend temps pour atterrir dans le nord-ouest, pour avoir voie maritime, j'aime tout ou bien soit avoir voie terrestre. C'est dans ce sens-là qui fait que il y a un décalage qui fait dans le temps que nous devons recevoir Cléa et pour être capable d'ouvrir l'hôpital là. Dans la date qui est 13 mai 2024 là. Pour me dire bien que en pile effort fait par direction générale là dans l'occurrence docteur Carl François pour nous capable de à grand jour ça qui est 13 mai 2024. Mm-hmm. C'est un grand jour justement pour Fatma, pour paysan, pour population nord-ouest là et particulièrement pour monde qui porte de paix. À présent, est-ce que nous gagnons totalité équipement mais nous avons besoin ou bien nous encore attendre de équipement qui t'a supposé arriver, madame Tedus Nord? Oui, ça va? Oui, alors nous disons, est-ce que nous gagnons totalité équipement nous avons besoin ou bien est-ce que nous gagnons de l'autre équipement attendre toujours pour l'hôpital? Oui, j'aime de la difficulté et sécurité au pays, hein, fait que nous ne pouvons pas recevoir tout équipement qui est supposé là. Yo. Nous avons un équipement qui la douane pour le moment, mais malheureusement, et ça n'est même li, impraticable dans notre prince, nous ne pouvons pas recevoir pour nous faire revenir dans le nord-ouest. Je profite pour me dire que Taïwan lui-même était proposé près de 4,5 millions pour nous faire achat de pour achat équipement et matériel. Yo. Et finalement, il y a 1,5 million. Taïwan a 1,5 million matériel et équipement. Et donc, ça lui-même qui baille dans lui-même, ce n'est pas un cash que le baille à la direction générale. C'est-à-dire que c'est Taïwan lui-même qui est responsable pour faire achat, pour faire que il fait tout contrat pour faire riser et à la direction générale et pour riser à la direction départementale là pour atterrir dans l'hôpital là. Mm-hmm. Et maintenant, est-ce que c'est reste comme lancé, c'est il peut gagner, est-ce qu'il y a Bailey, qu'est-ce qui gagne pour, quelle information qui gagne pour reste comme Taiwan te promet là, madame? Bon, normalement, ça que Taiwan te promet là, li pas by totalité montant et on peut gagner l'autre matériel équipement, c'est au Fatma lui-même qui fait achat de matériel et équipement ça pour faire unité dans l'hôpital au Fatma qui est dans le nord-ouest là. Mm-hmm. OK, maintenant et l'hôpital au Fatma qui est dans le nord-ouest là c'est deuxième plus grand centre hospitalier après centre hospitalier au Fatma qui est dans la ville de Kay. C'est Joubert Rouchefort, directeur communication et pour aider promotion de le Fatma qui était bonne information ça et deuxième et puis grand centre hospitalier ça ban nos capacités li et puis qui service qui déjà fonctionne qui fonctionnait là dans je dis là madame Tedus Nord. Bon, normalement l'hôpital au Fatma Nord-Ouest ça lui-même il gagne en capacité 220 lits et puis avec possibilité d'extension nous gagnons des salles des salles privées et semi-privées, là dans le tout, qui sont sur surface de 5130 m², qui gagnent horaire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui n'a fonctionné. Et m'a profité par montant construction de l'hôpital là lui-même, dont Taïwan, c'est 8 millions
dollars que lié et nous gagnons un système solaire tout qui est disponible pour le fonctionnement de l'hôpital là qui fait 2 7 kW. Et l'hôpital là lui-même il gagne tous les 4 services de base qui c'est chirurgie pédiatrie maternité médecine interne et nous gagnons l'autre service pour dermatologie ophtalmologie clinique dentaire urologie orthopédie radiologie. N'a ajouté pour nous dire que nous avons un laboratoire très moderne qui a desservi la population nord-ouest qui est dans l'hôpital au Fatma, Port de Paya. Et nous avons un générateur d'oxygène qui fait que nous sommes capables de produire oxygène à département, que nous avons un processus pour capable faire installation générateur d'oxygène ça dans l'hôpital au Fatma. Le générateur d'oxygène est déjà fonctionnel? Les parcours fonctionnels sont disponibles dans l'hôpital au Fatma. Ces processus sont faits pour être capable de rendre fonctionnel, pour être capable de faire installation. Mm-hmm. Et quid des personnels, alors des prestataires de soins, personnels médicaux, comment ça arrive? Est-ce que nous arrivons à joindre tous les prestataires de soins que nous avons besoin ou bien nous à la recherche toujours? Bon, normalement, nous gagnons une grande quantité. Prestataire qui est disponible, qui déjà en fonction, qui déjà travaille depuis lundi, non je n'ai pas ouvert dans une feria. Nous gagnons patients qui commençaient à prendre abgenteur, qui prend service déjà dans l'hôpital là. Depuis lundi, nous font journée porte ouverte et nous gagnons et délégation qui sont dans la direction générale là les mêmes qui s'est passé près de 2 semaines dans ville Port de Paix avec nous pour être capable de finir les mises en place, pour être capable d'ouvrir l'hôpital là officiellement. Alors, prestataires eux-mêmes yo là, mais pour me capable dire que il y a des spécialistes qui pas vraiment disponibles pour le moment. Parce que nous pas j'ai nos ressources sur département et l'autre département vu problème sécuritaire qui est dans pays là et logistique lui-même est très difficile, transport là vraiment paralysé dans pays là, c'est un petit peu difficile pour jeune des spécialistes qui rentrer vinn ban nous service au département nord-ouest là. Des spécialistes tant que madame bon nous énumérer pour nous quelques bon, tant que nous pas gagné urologue, nous pas ko gagné pédiatre, nous pas ko gagné dermatologue, nous pas ko gagné ophtalmologue etc. Nous comprenons. Maintenant comment nous a fait pour nous parler, est-ce que service ça en attendant yo pas ko fonctionnel service que nous pas ko gagné de spécialistes pour yo a. Ou bien est-ce que gagne deux monde qui abayon un service palliatif dans service ça yo? Bon, normalement j'aime dire là nous gagne 4 services de base de même qui fonctionnel qui a couvrir en grande partie dans besoin population hein. Alors pour l'autre service ça yo que au fur et à mesure que a vienne fonctionnel. OK, nous vraiment souhaiter ça. Maintenant madame Telusno gagnien alors l'hôpital ça t'a supposé desservir population qui sorti Tibonite là dit pourquoi pas dans nord-est peut-être nord-ouest qui ont des gens bah on dit séparé de totalement de capitale là non mais qui par rapport avec on dit gang yo qui installé de ou bien a bay problème sur route yo ça qui a empêché certains moun yo rentrer ici venir prendre soin donc nous devons attendre nous avec une quantité important de moun qui besoin soin et qui a fréquenté l'hôpital là est-ce que vous pensez nous gagner alors on a capable répondre avec sollicitation population ça. Bon oui, je pense que nous sommes capables de répondre à besoin de population parce que nous ne pouvons pas desservir seulement la population nord-ouest. Là. Nous devons desservir une grande population tout dans Antibonite qui est tout près avec nord-ouest. Et j'ai mentionné là parce que il y a un problème qui à lui-même. Qui fait que même pour les spécialistes yo, qui ne peuvent pas rentrer sur le département, ils viennent faire des services à la population nord-ouest. Là. C'est de même pour la piétou pour un patient qui a un problème qui a voulu rentrer sur le département nord-ouest à venir prendre soin. Toute nouvelle, et bien département qui plus près avec nous au lieu de rentrer dans la capitale là il a préféré
fait des toulants d'une dans nord-ouest. Et nous même n'a préparé nous en conséquence pour nous capable recevoir population et pour nous recevoir tout le monde dans le département qui vient prend qui besoin service dans le département, c'est que n'a pour offrir un soin de qualité. Nous apprenons qu'il y a un centre de dialyse qui est dans l'hôpital. Là. C'est peut-être unique centre de dialyse qui est dans le département nord-ouest. Le fonctionnel, est-ce que nous commençons à bail? Est-ce qu'il y a des gens qui commencent à jouer un service là, Madame Tedisno? Non, non, je ne dis pas que c'est le même problème. Le service de dialyse est au niveau fonctionnel sur le département nord. Dans l'hôpital, au département nord-ouest. Toujours à cause d'un problème spécialiste? Bon, pas. Problème spécialiste, bon point. En général, nous avons des problèmes de sécurité qui fait que des matériels ne sont pas pour rentrer. Ils ne sont pas disponibles sur le département. Et puis, bon, j'en suis l'entour, nous avons des spécialistes qui ont plus de difficultés, qui voulaient bon nos services dans le département. Mais malheureusement, problème insécurité pays, ou même pas qu'à rentrer, vraiment pour avoir offrir service à la population nord-ouest. À présent, il y a des gens qui vraiment pas contre fonctionnement au Fatma, surtout ces premières fois qui sont installés dans le Nord-Ouest. Pour mon capitaine de nous, parlez-nous de fonctionnement au Fatma. Comment le monde est capable de prendre soin dans l'hôpital ça? Il y a plein de monde qui toujours pensent que au Fatma est réservé avec des fonctionnaires publics. Parler expliquer fonctionnement au Fatma pour de monde qui pas connaît surtout de monde qui dans département nord-ouest. Bon, normalement au Fatma lui-même, j'en dis là il là pour bas service à population hein. Et nous gagnons trois mécaniques de financement pour l'hôpital là qui c'est assuré yo. C'est-à-dire c'est avec l'argent assuré que n'a bas service à population hein. Nous gagnons patients privés yo et nous gagnons constant universitaire là. Côté que ces trois fonctions, trois mécaniques de financement, ça qui pral aider nous bailler un service de qualité à la population. Portland ouvrir que tout le monde capable de venir pour prendre service dans l'hôpital Lopatma. J'en dis là, nous sommes un organisme autonome de sécurité sociale que Lopatma lui-même lié. Alors, nous ne pas vraiment recevoir, ou pas tant pas recevoir financement de l'État, c'est-à-dire l'ensemble ça. Et c'est avec mécanisme de financement ça que nous-mêmes nous parlons faire des rentrées pour nous servir la population. Alors, tout le monde a besoin de prendre service dans au Fatma et n'a pas parlé de assurer au même tour pour venir prendre service que avec sa bayo nous même n'a capable couvrir tout frais que nous gagnons pour nous bailler service c'est assurer yo et puis avec secteur privé à tout cap bien prendre service pour nous capable avancer. Et il y a des monde qui dit est-ce que si dans secteur privé est capable payer une assurance également au Fatma pour joindre soin. Bon, normalement oui, nous même nous gagnons des nouveaux services qui dans au Fatma. Nous gagnons assurance pour monsieur et taxi moto yo. Nous gagnons diaspora Fatma et puis nous gagnons assurance volontaire. C'est-à-dire mon ami même s'il délicat toujours prend assurance volontaire côté que lui-même l'a pas assuré tête avec famille pour le prochain service dans au Fatma. Chauffeur moto yo, pas de problème on capable assurer même avec famille yo prochain service et si que nous gagnons parent qui à l'étranger qui veut payer assurance pour famille en Haïti. Non pas gen problème la café elle pour lui côté que leur famille gen problème des pas besoin un cash pour faire un transfert directement pour voyer ba moun n'a pas jeune service dans au Fatma à l'aide de assurance que payer pour famille qui en Haïti. Merci un pile madame Telusno pour ces détails ça que ou vraiment ba nous mais qui important pour population hein, surtout ça qui a vivre dans grand pays hein. C'est ton plaisir pour nous parler avec au matin hein. D'accord, merci en pile, mais m'a précité un message pour population nord-ouest en côté que m'a dit que normalement l'hôpital au Fatma lui-même c'est pour nous que lié. Taiwan by Donwan et son général lui-même lui fait ouverture officielle là c'était le 13 juillet 2024, mais lui dans département la caille non. Lui dans commune Port-de-Paix. Alors c'est pour nous que lié. Nous devons apprécier. Nous devons faire que li fait la différence avec l'autre institution yo côté que pour prendre conscience de comment nous même dans département nord-ouest là nous très enclavé
Or, ça lui-même, faut que nous aider avec direction l'hôpital là, avec direction départementale là, et direction générale qui accompagne nous sur toute la ligne, pour ne pas briser à l'atterrissage ça. Côté que nous-mêmes, mon port de paix, c'est pour nous lier, nous avons devoir pour nous protéger et faire l'avancée pour nous-mêmes, nous capables de faire un bon genre de qualité dans l'hôpital universitaire ou Fatma port de paix. Merci. Merci, Madame Télusno. Bon samedi, bon week-end. Merci, monsieur. Bye-bye. Et merci à tout le monde qui s'est branché matin. Merci. Voilà. Voilà, nous avons parlé ensemble avec Caroline Léandre Télusno, directrice générale. Un bureau régional au Fatma dans le département Nord-Ouest. Il était parlé avec nous sur l'ouverture au Fatma, à l'hôpital au Fatma, à Port-de-Paix, qui fête lundi 13 mai.